Hey, salut, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui sur le challenge Horsetown. Donc, normalement, c'est l'épisode 18, je crois. Sauf si on compte l'épisode de mercredi où on a fait la connaissance de nos voisins. Du coup, ce serait l'épisode 19, hein, si je me trompe pas. Mais pour moi, c'est l'épisode 18 parce que pour moi, en fait, la rencontre des quartiers, c'est du hors-série. Donc, bienvenue sur ma chaîne pour l'épisode 18 de notre challenge Horsetown. On est mercredi, il est 8h du matin, tout le monde est réveillé. Alors, on vérifie comment ils vont tous. D'ailleurs, on va réveiller Neige aussi. Rebelle se porte bien. On rappelle que Rebelle, c'est le cheval que Antonio a secouru pour valider l'objectif. Alors, Précieuse, elle est là. Notre Rex, il dort. Je vais le réveiller aussi. Donc, du coup, Mirabelle est réveillée. Antonio va manger. Comment vont les petits animaux? Alors, Blacko va bien. Blacky va pas bien. Kiko, ça va? On en a tellement là. Mini chèvre grise. Mini chèvre rose. Mini mouton rose. Mocha va pas bien. Poppy, ça va. Et Pudding va pas bien. Donc, Mocha et Kiko. Dès que vous avez fini de manger, donc non, c'est Blacko, Blacky, Blacky, Blacky. S'il est là, on va le traire, on va lui donner les soins, laver et on va interagir. Et ensuite, c'était Mocha et Mocha est juste à côté. On va le traire, on va laver et on va une petite interaction. Voilà. En attendant, Neige, que fais-tu? Ce serait quand même bien que tu sortes par ici avec tout le monde. D'ailleurs, j'aimerais que tout le monde sorte. Je sais qu'il fait froid, mais voilà, allez. Ensuite, j'aimerais que notre petite précieuse, elle joue. Alors, je ramasse toutes les crottes que je vois. Quant à Mirabelle, elle va changer les litières. Voilà, hop, comme ça c'est fait. Ah ben, il y a toutes les litières à nettoyer. J'aimerais que elle remplisse la mangeoire. Quant à Neige, j'aimerais qu'elle aille s'occuper à s'entraîner avec les tonneaux. Que Précieuse, elle aille jouer avec un ballon. Rebelle, j'aimerais qu'elle aille jouer avec un ballon. Il y a déjà encore une crotte là. Il est 12h50 et c'est l'heure pour notre concours journalier. Alors, avec bien sûr Neige et on va tenter, je sais pas trop, qu'est-ce qu'on pourrait tenter? On va tenter course de tonneau niveau 4. Allez, c'est parti. Antonio, lui, du coup, il est toujours en train de s'occuper des animaux, cette fois-ci de Dolly et de Marguerite, et de leurs abris. Il va aussi s'occuper de Rebelle, qui n'aime pas trop qu'on s'occupe d'elle. Bon, tant pis, au moins ça va mieux. Elle est effrayée, effrayée. C'est Antonio qui lui fait peur, sûrement. Oh, pas de médaille. Bon, ben c'est comme ça, c'est la vie. Du coup, là, on va chercher trois mini-moutons pour faire, du coup, la mission communautaire avec les moutons. Alors, on va trouver mouton. Toi, tu es un mouton. Tu vas tondre la laine, soin laver et hop, on va te mettre... Comment on fait déjà? Ah, c'est bien ça. Donc on veut toi et vous. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. Allez, vas-y, fais-moi ça. Merci beaucoup. Maintenant, bien sûr, c'est le moment du jardin. Il est un peu délaissé, un peu à l'abandon là carrément. Il y a
de l'herbe, de mauvaises herbes qui poussent de partout. Donc, il va s'en occuper aussi. Alors, je ne sais pas de qui tu t'occupes, Mirabelle. Mais c'est bien de t'en occuper. J'adore. Ah oui, elle en a récupéré plus qu'il en faut. Ok, stop. Donc, du coup, allez, panneau. Et non, pas du tout. C'est pas ce que je voulais faire. De toute façon, mission communautaire. On va faire les moutons pour une fête d'enfants et il nous restera les chèvres. Allez, moutons, c'est parti. Antonio, tu peux bouger, s'il te plaît? Non, tu veux pas. Antonio bug et il veut pas se réinitialiser. Super l'épisode, ça commence très bien. Allez, Antonio, fais un truc. Du coup, j'ai dû enregistrer, relancer le jeu et voilà, Antonio veut bien travailler. Cela dit, Mirabelle, stop, elle n'a pas été, je pense. Donc, du coup, je vérifie. Et elle n'a pas été, elle n'est pas partie. Donc, je lui fais faire la mission communautaire avec les moutons. C'est parti, ma chère. Voilà, c'est bon. Enfin! Soleil est désormais un coq adulte qui chantera le matin, tentera de protéger les autres volailles des renards et essaiera de s'accoupler avec les poules du même poulailler pour créer des œufs pouvant éclore. Oh, trop mignon! Macaron est désormais un coq adulte aussi. Alors, ensuite, il va falloir désherber la zone, bien sûr. Regardons les coqs. Est-ce que c'est toi, Soleil? Un, deux, trois. Soleil! Là, c'est Bernadette. Plumette va bientôt grandir, peut-être aussi, mais il nous manque Macaron, du coup. Macaron. Et peut-être dans le poulailler, Macaron. C'est toi, Macaron? Macaron est blanc. Oh, j'ai trois couleurs différentes de coq. C'est chouette, ça. Vous avez une préférence pour lequel? Moi, je sais pas trop. Je les aime tous les trois. Alors, Antonio, on s'occupe aussi de notre petit Rex. Allez, hop, dans le bain. C'est parti, il va être tout propre. Enfin, on voit pas trop quand il est sale en vrai. Je sais même pas s'il était sale là. Mais bon, c'est bien de lui donner un bain de temps en temps. Voilà, c'est parfait. Ensuite, Antonio va prendre une douche. Et écoutez, ensuite, il va falloir, oui, j'aimerais, alors, fabriquer une bouteille d'excellent nectar. Il voudrait fabriquer une bouteille d'excellent nectar. Donc, on va tenter ça, bien sûr. On va nettoyer la machine, fabrication nectar. On va faire nectar de baie et nectar de raisin. Voilà. Une sur deux, je pense, elle sera excellente. Notre Mirabelle est de retour, elle a gagné 95 simflouzes. Je l'ai vue, puis je ne l'ai plus vue. Elle est repartie. Pourquoi? C'est moi qui lui ai dit ça? Bon, elle est repartie du coup. Je savais même pas qu'elle pouvait, vu qu'on avait dépassé l'heure, mais c'est parti. Il y a le Père Hiver. Alors, on va... Ah, il vient nous rejoindre. Oui, on a quelqu'un, mais c'est pas de notre faute si on a une mission. Alors, le Père Hiver, on va discuter avec lui, partager l'esprit de l'hiver, enfin du machin, vous avez compris. Parler du cheval champion, puis ensuite, ben on voudrait un cadeau, non? Ce serait pas mal, hein? Demander un cadeau au Père Hiver. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir du Père Hiver? Un petit cadeau pour moi? Merci, Père Hiver. Oh, j'adore. D'or, merci beaucoup, Père Hiver. Une gazinière british. Oh, super. Là, on va jouer avec Rex. Puis ensuite, on va manger. Et puis, on n'est pas encore fatigué. J'ai envie de dire que ce sera le moment de faire de la gratte pour s'amuser. Cette fois-ci, on ramène Tigrou. Viens, Tigrou, viens écouter Antonio. Viens faire un duo. Voilà, c'est bien, Tigrou.
Ah, Mirabelle, elle est rentrée. Elle a besoin de faire pipi, mais je ne sais pas si elle tiendra jusque-là. On va vérifier ça. Elle a réussi. Bravo. Félicitations, Mirabelle. Mais du coup, il faut aller là. Aller ici pour lâcher les mini, les pauvres. Alors, on va lâcher. Placer dans le monde. Placer dans le monde. Placer dans le monde. Et placer dans le monde. Ensuite, on va s'occuper d'eux. On va laver. On va... Non, non, tu te réveilles là. Allez. Tout le monde dort, mais c'est quoi ça même? C'est pas l'heure de dormir. Allez, appelez Blacko. Après, vous voulez partir, mais vous puez. Allez, tondre la laine. Soin, laver. Et une petite interaction, caresser. Voilà. Ensuite, idem par ici. Il est 2h du matin. Moi, je vous dis à tout à l'heure, je vais tous les envoyer se coucher. Même si Antonio, quand même, il est à fond hein, dans sa guitare. Hein, à fond. Et il est très joueur en plus. Même s'il est super fatigué. Allez Antonio, c'est l'heure d'aller te reposer. Enfin. Et c'est pareil pour notre petite Mirabelle. Elle va quand même manger, prendre une douche. Et ensuite, aller se coucher. On est jeudi, 7h du matin. Ils ont dormi à peine 5h. Notre Antonio doit venir réparer le frigo. En même temps, on regarde un peu pour les mini-moutons et les mini-chèvres, bien sûr. Donc, Kiko va pas bien. Mini-chèvre gris va pas bien. Mini-mouton rose va pas bien. Donc, on va s'en charger. Allez, c'est parti, ils sont où? Allez, là, déjà. Pudding, je crois, non? Pudding, t'en vas pas. Et puis, pareil pour toi aussi. Hop. Toi, tu vas bien? Oui. Ça a l'air d'aller. Toi, t'es où? Tu es là. Allez, on va s'occuper de toi, bien sûr. Et de toi aussi. Ah, on peut plus. Mirabelle, qu'est-ce qu'elle a donc? Je préfère oublier. Réfléchis à une étape, d'accord? Souvenir d'une vessie défaillante. T'as réussi à aller aux toilettes? T'inquiète, ma poule, t'inquiète. Nettoyer poulailler, ramasser les œufs et disperse beaucoup de nourriture. Voilà, hop, il meurt de faim. Voilà. Ensuite, si tu pourrais peut-être t'occuper. Non, tu peux pas. Allez, faisons ça déjà. Il est 13h, notre Mirabelle finit de s'occuper des abris et Antonio est à nouveau dans son jardin où ça clignote de partout. On a plein de petits trucs à faire évoluer, même si je vois pas trop, je trouve que ça brille un peu de trop. Hop là, oui, là aussi, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon et il y a quelque chose qui brille par là, non? Non. J'ai cru, mais c'est peut-être ça. Oui! Hop! Voilà! Il s'occupe de son jardin. Ça, c'est bien. Mirabelle, t'as bientôt fini parce que, voilà, il y a autre chose à faire. D'accord? Là, va donner à manger, s'il te plaît, à notre petite Marguerite. Voilà. Antonio, il récolte tout. Ensuite, j'aimerais bien que tu récoltes par là aussi. Qu'est-ce que j'ai vu un truc briller là? Ah, c'est toi, le petit pois. Ensuite, on va faire un concours avec Mirabelle. Bon, neige, c'est toujours pareil. On n'augmente pas, mais on va tenter le saut d'obstacle niveau 4. Apparemment, on l'a jamais essayé, ou du moins, peut-être qu'on n'a jamais eu de... C'est peut-être qu'on n'ait jamais eu de médaille, hein, vu que... Comment elle est loin du niveau. Mais on tente. Hein. On essaye. Voilà. Antonio finit de s'occuper de son jardin. Et j'aimerais qu'il fasse du point de croix. Grand cercle. Et on n'a pas ce qu'il faut. Super. Faudrait qu'on achète de la laine rouge et bleue. Alors...
Qu'est-ce qu'elle a, Mirabelle? Rouge et bleu, pas du tout, hein. Ni beige, ni faux. Oh. C'est triste, là, c'est triste. Faudrait qu'on fasse une commande sur le PC, du coup, pour voir. Je sais pas si ça s'achète comme ça. Attendez, j'ai regardé déjà une livraison. Rien du tout dans la livraison. On va voir dans commander. Non plus. Eh ben, écoutez, il ne peut pas et j'ai pas envie de me déplacer là tout de suite. Donc, il va faire de la guitare. Pas de médaille. Bon, ça m'étonnait pas. Ça m'étonnait pas. Et pour finir l'émission communautaire, on va chercher les chèvres. Alors, comment j'ai fait ça tout à l'heure? Donc, action, récupérer des mini. Donc, une, deux. Donc, pas trois, pas trois, pas trois, pas trois. Et pas trois. Donc, les trois. Noir et blanc et gris, c'est bien. On prend comme ça, il m'en manque une. Non, même pas. Quatre. Ok. C'est bon. Est-ce que tu peux me faire ça, Mirabelle, s'il te plaît? Ton frère, lui, il s'éclate avec la guitare. Il joue. À fond, il est à fond. Alors, c'est fait pour Mirabelle. C'est parti. J'espère qu'elle les a récupérées. On vérifie. Et c'est bien là. C'est parti pour notre dernière mission. Et c'est fait avec des chèvres à caresser. Toujours en compagnie de notre tigou qui vient et qui part. Mais Antonio, lui, tellement concentré sur sa guitare qu'il n'entend même pas Tigou à l'arrière. Il est pratiquement 20h et Antonio, il n'a pas gagné un seul point. Rien du tout depuis le temps qu'il joue. On est même encore loin d'avoir notre point en guitare. Mais il serait peut-être temps de faire à manger aussi. Mirabelle, elle meurt de faim. Et oui, et elle va pas tarder à rentrer, n'est-ce pas? Rexou, va faire tes besoins, faire ses besoins. Tigrou, il dort. Neige est triste. Mais du coup, toi, tu peux faire tes besoins aussi. Ensuite, et ensuite, continuer à t'exercer, bien sûr. Voilà, que vas-tu faire, notre petit Antonio? Un bon repas bien chaud. Mirabelle, elle est rentrée. On va lâcher tout le monde avant qu'elle s'en aille. Alors, on va placer dans le monde, placer dans le monde et placer dans le monde en espérant qu'ils aillent tous bien. Comment vas-tu? On va te traire et on va te laver. On va te laver, puis on va te pas du tout appeler puisque tu es déjà là. Et on va te... C'est tout. Et toi, on va te traire. Hop. Et on va te laver. Ça, c'est bien. Ok, c'est good. C'est good. Et Antonio, entre-temps, il a fini de faire à manger. Parfait. Et donc, ensuite, notre petite Mirabelle, elle pourra venir se servir des restes. Et notre Antonio... Ah ben, j'ai complètement oublié de mettre les bouteilles de nectar. Alors, et si je les mettais en bas? Hop, là, pour une fois. Parfait. Antonio est très inspiré. Allez, c'est parti. Va encore jouer un morceau de blues et ce sera... Où est mon hamburger? Allez, fais-nous écouter ça. Alors... Oh oui, c'est très bien. Tout va bien, Antonio, vas-y. Tu gères. Yes. Oh, c'est fini. Ok, la chanson était... Comment dire, très rapide, on va faire une rock et ce sera pour mon unique amour. Allez, je veux entendre ça. Ah ouais, c'est sur un autre style, c'est sympathique. Ouais, ouais, il y a Tigrou qui chante, ça le fait, ça le fait.
Parfait. Notre petite Mirabelle, du coup, elle a mangé. Elle va prendre une douche. Puis écoutez, c'est l'heure qu'ils aillent se coucher. Et nous, on se revoit après. Il neige. On est vendredi 6h30. Et notre petit Antonio va devoir se réveiller. Il va s'occuper de lui. Puis ensuite... Oh, ben même Dolly et Marguerite n'ont pas envie de sortir tellement qu'il fait froid. Mais il va falloir, il va nettoyer les abris. Il va aussi, il n'y a pas besoin, donc ça c'est bien. Notre petite Mirabelle aussi, elle est réveillée. Et du coup, à elle de s'occuper de des mini. Alors, est-ce qu'ils vont bien? Normalement, ils vont bien. Puisqu'on sent... Ah, Blacky va pas bien. Où es-tu? Je te vois pas. Ah, tu vas vraiment pas bien. Très lavé. Une petite interaction. Voilà. Ensuite, Blacky, on s'occupe de lui. Kiko va bien. Mini chèvre grise, mini mouton rose. Mocha, Poppy et Pudding, ça va. Donc, ça c'est très bien. Ensuite... Qu'est-ce qui se passe par ici? Tout va bien? Vous vous amusez ou vous vous disputez? Faire sa toilette, caresser avec son museau, renifler, tiens, pourquoi pas, c'est nouveau, je ne l'avais jamais vu. Faire sa toilette. Et ensuite, eh bien, écoute, ma petite Neige, tu vas... Tu peux pas te promener en fait, non? Tu peux sortir. C'est la galère dehors, c'est la galère. La tempête. Alors, Antonio doit s'occuper des abris, mais c'est compliqué. Il y a la tempête dehors. Va pas courir à l'intérieur, s'il te plaît. Courage. Il a marché dans une crotte, c'est jamais agréable. On le sait. Notre Mirabelle, elle fait quoi? Elle gère. Et ensuite, j'aimerais encourager pour le dressage, parler avec Neige, brosser le poil à Neige, qui disparaît en fait, qui part alors qu'on lui parle. Toujours très, très bien ça. Frotter le cou, on va faire plus de choix, compétences, tempérament. Se renseigner sur la façon de gérer les Sims. Est-ce que Antonio a réussi? Il y va, mais tout doucement. Il n'a pas trop envie. Je le comprends. Mais il va faire celui de Dolly aussi. Oh, notre petit Antonio s'occupe de Rebelle. Mais ils ont l'air tout mignons. Tout le monde est content là. Oh, super. Alors, vu le temps à l'extérieur, aujourd'hui, ce sera la journée compétences. Et Mirabelle est déjà en plein dedans. Je lui avais demandé d'aller manger avant. Mais non, Mirabelle, elle va manger après, bien sûr. Et pourquoi pas écouter de la musique en même temps. Et ce sera, elle a envie d'écouter quoi en vrai? Je ne sais pas trop. La musique champêtre. Elle a atteint le niveau 8 de la compétence tricot, notre petite Mirabelle. Antonio, il va rentrer aujourd'hui, d'ici 15-16 heures, je pense. Ouais, il va rentrer. Elle a fini, donc alors, jamais fini, on va faire autre chose. On va faire un tapis, si on peut, un tapis noir. Ah oui, elle mange. Cette fois-ci, elle mange, notre Mirabelle. Ah ben non, Mirabelle, où est-ce que tu m'as déposé l'assiette? J'ai pas compris, là. Ah, il est là. D'accord, ok. Voilà, il est là. Je te laisserai manger après si c'est pas gâté. Alors, laisse-moi voir. Je ne peux pas voir. Donc, tu vas manger. Si c'est pas bon, tu ne mangeras pas. Antonio. Oh, Antonio, il est rentré et il m'a déposé un truc par terre. Voilà. Super, Antonio. Et du coup, ça le fait d'un jour pas s'il se met à chanter ou à gratter sa corde. Mais bon, il va le faire quand même. Hein. C'est la journée compétence aujourd'hui. Regardez-moi le temps dehors. On voit rien. Il est où le panneau? Bon, ok, j'abuse. Il est là, on le voit. Mais voilà. C'est pas un temps à mettre le nez dehors. Vous êtes d'accord?
Alors, non, j'ai pas envie d'appeler personne. Comment vont-ils? Alors, j'aimerais bien. Est-ce que tu peux être ami, amical du coup, pardon. Et là aussi, être amical. Ensuite, toi, qu'est-ce que tu peux faire? D'ailleurs, t'es où? Tu es là. Tu peux être amical, toi aussi. Soyez amicaux, tout le monde. Notre petite précieuse, pourquoi t'es là dans le froid? T'as pas froid? Tu veux pas rentrer? Tu veux pas te promener? Qu'est-ce que tu peux faire? Attends. Énergie basse. Ok, je peux rien faire avec toi. Ben, j'aimerais que tu viennes ici. Allez. Voilà. Mirabelle est très joueuse et elle s'est arrêtée. Donc, tricoter, reprendre un projet de tricot. Chaussettes. Chaussettes? Je croyais que j'avais choisi un tapis. Oh, j'en sais plus à force. Alors, Mirabelle a fini le projet de tricot. On va nettoyer la litière. Ok, puis ensuite on va s'asseoir là à nouveau. Est-ce que elle peut faire du point de croix? On va regarder. Simple petit cercle. Elle ne peut rien faire non plus. Ok, il faut que j'achète de la laine rouge et de la laine bleue, vert, beige, enfin toutes les couleurs, quoi. Ok. Pas de souci. Alors, on va faire objet tricoté, tricoter des poufs. Et ce sera un pouf noir. Notre Antonio est toujours en train de s'entraîner. Et en plus, il adore la musique qui est en fond. Il est 21h20. Mirabelle a terminé son projet de tricot. Je trouve qu'elle va plutôt vite. C'était un épisode, comment dire, très... comment peut-on dire? Ennuyant? Bon, on voit quand même bien qu'on arrive vers la fin des épisodes, bien sûr, hein. On travaille énormément les compétences. Et c'est surtout les compétences de neige qui sont à la traîne parce que c'est pas facile. Mais du coup, allez, on fait un point de tout ça. Mirabelle. Il lui manque encore 4 concours hippiques de niveau 4 à gagner, enfin en or, et de monter sur le podium du championnat, bien sûr. Au niveau de ses compétences, il lui manque le tricot et le point de croix. Antonio, il a fini son aspiration, on est content. Il lui manque la guitare et la pêche. Bah, la pêche, avec ce temps, on peut pas. Notre petite neige, il lui manque le tempérament, l'agilité et surtout le saut d'obstacle. On en est au niveau quel prix pour notre petite neige. On est à 23 125 simflouzes. On a eu notre poulain, on a secouru un cheval, pardon. Je ne sais plus parler. On a fini toutes les missions communautaires, même ceux avec les mini-chèvres et les mini-moutons. En parlant des mini-animaux, on a bien 4... Ah ben tiens, il va pas bien. On a bien 4 mini-moutons. Donc on a Blacko, mini-mouton rose, Poppy et Pudding. Et on a 4 mini-chèvres, Blacky, Kiko, mini-chèvre grise et Mocha. Donc, au niveau des sous, on est à 326 528 simflouzes. Et du coup, ben écoutez, j'espère quand même, malgré tout, que l'épisode vous aura plu. Je bégaye maintenant, de mieux en mieux. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et je vous dis de passer une très bonne semaine. Et à très vite!